Ben, disons que les années 80, c'est un truc qui me branche. Les 60 aussi, j'ai toujours été très vintage, même si maintenant c'est un mouvement de mode. Mais j'ai toujours été comme ça, à mettre les vêtements de maman et compagnie. J'ai toujours beaucoup aimé les chansons d'avant, avec le vieux rock et compagnie. Et puis, bon, les tripes d'une jeune de mon âge, parce que je suis une jeune de mon âge, j'ai 21 ans, comme beaucoup de filles. Et donc, je représente aussi, enfin, j'essaye de représenter, de chanter ce qu'on peut penser dans des moments de solitude extrême ou de ce mouvement et de chagrin d'amour et tout team. On est un peu obligé de passer par là, mais c'est sympa. C'est un EP, il y a 5 chansons, c'est un demi-album, je suis encore assez mature pour faire un album entier, peut-être bientôt. C'est 5 chansons de type très différents, je dirais il y a une soul, une rock un peu U2, un duo avec Tom, une 80 et une 60s un peu Gainsbourg. Donc c'est, ça visite assez bien ce que j'aime bien dans l'univers musical. Eh bien, on va présenter 2 titres acoustiques d'Isa, puis on va faire une reprise parce que tout le monde a fait des reprises aujourd'hui, donc on s'est dit allez, on va peut-être en caser une, et puis on va faire mon titre à moi qui est la chanson de ma vie, que tout le royaume connaît mais que personne ne sait que c'est moi qui la chante, et voilà, on va faire 4 titres en acoustique, et c'est une première aussi pour nous. Parce qu'on a souvent fait des trucs acoustiques, mais en petit comité, en privé. Là, ce sera la première fois c'est en public. C'est la première fois qu'on fait sur scène. Hein. Ouais, en public, ce sera la première fois. Puis c'est une bonne occasion de tester comment les choses fonctionnent. Entre la haine qu'on brandit et l'amour qu'on nous interdit, si on donnait la parole à la vie, tout le monde garait la chanson, le parfum. Sur son EP qui s'appelle Face A, sur iTunes, sur Deezer, sur Amazon. Sur... Voilà, on fait de la pub sur pour iTunes tout. En Japon aussi. Voilà, et vous pourrez donc entendre Isati sur 5 titres, moi sur un titre. J'y joue aussi un peu de saxophone, ça et là, mais ça tout le monde s'en fout en fait. Et puis, il est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. C'est ça qu'il faut retenir. Il est pas cher. Écoutez, et il est la bon. Voix du Seigneur. Seigneur.